il n'a pas de contribution involontaire ou volontaire ou obligatoire, mais il a le chapeau volant qui se promène. Et de façon totalement démocratique directe, j'ai décidé que l'argent allait être distribué de façon équitable, à la scène près, entre toutes les personnes invitées, présentes. Bravo. Alors je passe le chapeau et je vais lire un petit texte, puis ça va être le break, puis il y a de la bière à 3$. Oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de pièces. Ah, j'en ai à 4 pièces. C'est ça. Valeur des valeurs. C'est pas long, Albert. Alors, structure pour mon futur. Pour faire mon pays, venez tenir compte de la structure des droits sociaux pour mon futur. Et cessez donc de parler d'indépendance incertaine si ce n'est sans environnement et égalité dans vos veines. Comment accepter ce pays sans armure avec Pierre Campelado qui fait ses parures? L'orientation est pourtant nécessaire à nos parures. Et notre avenir en tant que peuple, toujours en quarantaine, replié par cette droiture fédéraliste sans peine. Car moi, j'ai envie de voir des gens qui s'aiment, une société sans parjure, et d'une liberté qui n'est pas associée qu'à une gravure. J'ai envie de voir des gens heureux qui s'aiment et qui peuvent vivre ensemble sans trop de haine. Mais pour ce faire, il est nécessaire de discuter des structures pour ne pas remplacer une domination par une autre abomination. Je m'excuse, mais le journal de Montréal, là, je trouve que c'est une grosse abomination. Puis le 30 milliards de Pierre Campelado, ça va faire un Québec pour s'enrichir personnellement, ainsi que toutes les grosses compagnies multinationales pour ramener ça au Québec. Alors, bonne fête! C'est de la rétro ici dans mes oreilles. Bonne fête. Je pense au chapeau. Le chapeau est passé. Ouais, mais il est déjà rentré avant de passer. Non, parce que c'est contribution volontaire, puis aussi c'est un chapeau volant. C'est comme du body surfing, mais pas le chapeau. Mais moi, c'est un hasard. La séance, c'est monsieur qui ne l'a plus.